au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Qui était à JSN? Qui était à JSN? Abidjan Jesus Solution Night. Abidjan Jesus Solution Night. Amen. Amen. Ah, quelle veillée. Alléluia. Quel moment dans sa présence. Quel moment dans sa présence. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est que le début. Ceux qui étaient là, levez la main et puis regardez ceux qui n'étaient pas présents. Regardez, regarde ton voisin. Non, lève la main et puis regarde le voisin. S'il n'a pas levé la main, tu dis, comment tu t'organises? Comment tu... Maintenant, le voisin, si tu n'étais pas dans la ville, tu dis, non, je n'étais pas là. Je voulais venir, mais je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. C'est ça, non? Voilà. Hein? Frère Oura, tu n'étais pas là? Où tu étais? Ah. Attends, levez les mains, je vois, je vais demander aux gens. Ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là, levez la main. Toi, tu n'étais pas là. Docteur. C'est une veille à ne pas manquer. Comme vous entendez, AJSN, Abidjan Digital Solution Night, il ne faut pas manquer. On a vraiment intercédé pour la ville. On a vraiment prophétisé. Il y a eu un temps puissant. Il y a un revêtement puissant du Saint-Esprit. Et vous êtes loin pour témoigner. Amen. Ouvrez la bouche. Bénissez votre maison. Bénissez la famille. Bénissez les quartiers partout. Vous avez reçu l'onction prophétique. Amen. Ne sous-estimez pas. Quand vous rentrez dans un environnement, bénissez l'endroit. Prophétisez la paix. Si vous rentrez dans une administration, amen. Voilà, sur le son, il y a de l'écho. Merci. Voilà. Quand vous rentrez dans une administration, si vous voyez, vous rentrez dans une administration, vous savez qu'il y a la corruption là-bas, il y a des choses qui ne sont pas bien. Bénissez-la. Chassez la corruption. Parlez simplement. Il y a une puissance dans votre bouche. Parlez. Vous rentrez, vous voyez, vous rentrez dans un centre hospitalier, vous voyez que les choses ne sont pas faites comme elles auraient dû être faites. Ne maudissez pas, ne soyez pas aigris. Ne critiquez pas. Vous avez été appelé à bénir, non pas à critiquer. Tout le monde a vu que ça n'allait pas, ok? Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter, vous comprenez? Donc, tu arrives, amen, ce n'est pas la peine de dire la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que ce n'est pas bien, ok? On est au courant maintenant. Donc, ça ne va pas changer les choses. On s'est plaint, on se plaint de tout. Maintenant, le temps est venu de balayer ça par la parole de Dieu. Donc, quand tu arrives dans l'endroit, tu dis que la médiocrité, que le désordre s'éloigne de cette administration, s'éloigne de ce lieu. Et en tant que prophète du Seigneur, je demande la bénédiction, la prise en charge convenable des malades. Quand tu es dans un centre hospitalier, j'invoque la paix. Oh mon Dieu, que les matériels soient pourvus, qu'il ne manque de rien. Et tu es dans l'hôpital pendant que tu es en train d'attendre dans la salle d'attente, bénis l'endroit. Chasse les esprits mauvais et bénis l'endroit. Vous avez été appelé à bénir, non à maudire. Est-ce qu'on est ensemble? Et faites ça dans toute la vie d'Abidjan parce que derrière les mauvaises actions, les mauvaises attitudes, derrière tout ce système-là, ce sont des esprits impurs qui manipulent les personnes. Vous comprenez? Voilà, il faut souvent être quelqu'un de très forte carrure spirituelle avec une onction pour ne pas soi-même être entraîné dans ces systèmes. Nous sommes tous ici indirectement participants quelquefois du désordre parce que nous travaillons dans la même administration, nous sommes dans le même système et nous n'arrivons pas à faire évoluer les choses. Et ceux que vous voyez souvent en train de diriger, ce sont des personnes qui ont critiqué hier. Ce sont les mêmes personnes avec qui on s'assied et puis qui disent, mais regarde comment l'hôpital est ici. Le jour où ils ont été mis directeurs, ils n'ont pas pu faire mieux. Donc ne pense pas que si toi tu es là-bas, tu vas faire mieux. Amen. Voilà, parce que tu ne sais pas à quelle entité, contre quelle entité tu vas affronter. Quels sont les obstacles? Tu peux avoir de bonnes intentions, mais quelqu'un va venir te mettre les bâtons dans les roues. Donc il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas qu'il est bien d'être humble et puis de ne pas prendre le temps pour jeter la pierre aux autres. Amen. Mais fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu peux faire. Bénissez la ville, bénissez les endroits. Quand vous arrivez dans un endroit, vous voyez, il y a des ordures, la zone est sale, désordonnée, l'eau est partout. Ne rentrez pas dans les critiques, les trucs comme ça. Regardez la ville, on ne sait pas, le maire il fait quoi, on ne sait pas. Laissez ça tranquille, laissez. Amen. Arrêtez ça. Voilà, on ne sait pas. Ils sont dans la ville, ils ne font rien, ils font. Laissez ça, laissez ça. Je t'assure que rien ne prouve que si toi tu étais là-bas, tu aurais fait mieux. Tu comprends? Voilà. Parce qu'il y a plein de paramètres. Il faut savoir diriger. Il faut, quand tu es leader, c'est là que tu te rends compte des réalités. Tu peux être là en réunion, finir de prendre les décisions, mettre les fonds à disposition. Le temps que l'argent arrive même sur le terrain, l'argent est fini en route. Tu peux dire à quelqu'un en réunion, va faire ça. Le gars, il te dit, il l'a fait, il amène même les résultats. Il te dit, c'est fait. Patron, c'est fait. Voilà, là, c'est fait.
Mais sur le terrain, rien n'a été fait. Donc tu peux avoir un bon dirigeant et des mauvais exécutants, comme tu peux avoir un mauvais dirigeant, des bons exécutants, parce qu'ils n'ont pas aussi un bon dirigeant pour leur donner les bonnes consignes. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans... Mais les gars, c'est quoi mon son là? C'est bien à un moment donné, vous avez mis encore l'écho. Bon, amen. Non, coupez les micros, donnez-moi ce micro. Lui l'a allumé. Vous faites les deux. Mais coupez un. Donc, de laisser ça. Bon, ok. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, si tu as fait Abidjan Jesus Solution Night, c'est que Dieu t'a positionné comme un solutionneur. Amen. Comme quelqu'un qui apporte la lumière, qui apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Donc, tu vas dans le nom de Jésus, tu chasses dans ta parole, par ta parole ce qui est négatif et tu appelles ce qui vient de Dieu, tu appelles la paix, tu appelles la grâce. Que Dieu passe par toi pour réaliser ou qu'il utilise quelqu'un d'autre pour le réaliser, c'est pas important. Ne cherche pas ta gloire. Cherche à ce que les gens soient traités, cherche à ce qui est la paix. Ne cherche pas ton nom. Cherche à ce que les choses soient bien faites. Et quand vous allez envoyer la parole va créer l'atmosphère. La parole va créer les dispositions. La parole va faire que quel que soit l'endroit où la chaîne était bloquée, quand parce que tu déclares, Dieu va chasser les démons qui sont derrière. Et les chaînes d'exécution vont bien fonctionner et tout va bien se passer. Et vous allez voir que le pays, la ville et toute la Côte d'Ivoire va s'embellir, s'ordonner, devenir propre. Et le développement qui est prophétisé depuis tant d'années va se manifester de manière effective. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le week-end dernier, donc excusez ma voix, hein, vous comprenez? Au deuxième qui ça va mieux aller, j'aurai une meilleure voix. C'est comme ça. On bénit le Seigneur. La semaine dernière, on a été encore bénis. Amen. On a été bénis. Et le Seigneur nous montre sa fidélité en amenant chaque fois au salut dans cette église des centaines et des centaines de personnes. Et environ chaque 3-4 mois, on est en train de baptiser de nouveaux convertis, de baptiser des personnes qui ont pris la décision de marcher avec Jésus. Et c'est une grâce de Dieu, c'est un signe d'approbation du Seigneur. Amen. Amen. Et nous avons la joie... où est mon document sur... Bon, les baptisés, tenez-vous debout. Alléluia. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Amen. La responsable, viens nous parler un peu de ta promotion. Les coachs, bon. Konaté, oui, viens, donne le micro. Amen. Alléluia. Bon, venez devant, venez. Mettez-vous là. Amen. Alléluia. Alors vraiment, vas honneur tout le corps de Christ. Nous avons la joie. Et vous êtes nombreux, André. Bon. Bon, on va dire en même temps le nom. La promotion comment? La promotion. Promotion. Amen. La promotion. Ils sont surabondants déjà. Amen. Voilà la promotion. Vous dites qu'ils sont nombreux, non? Mais c'est ça leur nom. Surabondance. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bon, ceux qui ne peuvent plus arriver, restez là. Amen. Alors, Konaté, on a une promotion de combien de baptisés? Nous avons environ une promotion de 170 baptisés. Alléluia. C'est la première de l'année, c'est ça? Oui, la première de l'année 2017. La première de l'année 2017. La précédente, c'était en quel mois, 2016? C'était en novembre 2016. Novembre 2016, on est en avril. Bon, ils ont été baptisés en mars. Amen. Et déjà, entre ces deux promotions, encore 175 personnes, nous voulons rendre grâce à Dieu. Amen. D'habitude, j'aime bénir
le plus jeune ou la plus jeune baptisée, et puis le doyen, ou bien la doyenne. Là, Madame Lupo et Tano. Maman, viens. Je parlerai de toi. Amen. Donc, maman, c'est notre doyenne. Maman, à quel âge? Elle a 66 ans. 66 ans, waouh. Je dis, ce n'est pas tard, quel que soit ton âge, si tu veux marcher avec Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Il faut te faire baptiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Et notre plus jeune? La plus jeune, c'est Tando. Elle a 14 ans. 14 ans. Amen. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Et ça nous donne l'occasion vraiment d'encourager les uns les autres qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu dois être baptisé. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et de quel baptême étant, le mot baptisé veut dire plonger dans l'eau. Voilà, comme je dis chaque fois, ça peut vexer certaines personnes à cause de leur croyance, mais je le dis avec tout l'amour de Christ. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez pris, certains ont pris l'habitude de faire certaines choses que ça veut dire que c'est correct ou c'est conforme aux Saintes Écritures. Alors je le dis avec amour, si tu as été soi-disant baptisé, parce que ce n'est pas un baptême, si on ne t'a pas plongé dans l'eau, ce n'est pas un baptême. Le mot baptisé, ça veut dire plonger dans l'eau. Quand vous lisez bien la parole du Seigneur, vous allez voir que ça a toujours été fait comme ça du temps de Jésus, et que même on se déplaçait pour chercher des endroits où il y avait beaucoup d'eau afin de pouvoir plonger les personnes dans l'eau. S'il avait été, si cela n'était pas indispensable, amen, parce que la Bible dit quelque part que Jésus était dans un endroit, Jean-Baptiste était dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau pour pouvoir plonger les personnes. Si une autre forme, comme l'aspersion, était ce qui était, il n'aurait pas eu besoin d'aller dans le Jourdain ou d'aller dans un endroit où il y a des fleuves, il serait resté dans la ville ou dans un endroit avec un peu d'eau, il prie et puis on fait l'aspersion. Non, ce n'est pas ça le baptême. Alors, si tu as cru en Jésus, tu dois être baptisé. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Toute autre chose, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas le baptême. Voilà, il ne faut même pas ajouter des qualificatifs pour dire baptême, partant, j'ai déjà été baptisé. Non, tu n'as pas encore été baptisé. Tu as été aspergé, mais tu n'as pas été baptisé. Amen. Donc, il ne faut pas dire, est-ce que je dois refaire un baptême? Il n'y a pas à refaire, on n'a jamais fait. Amen. Il n'y a pas à refaire. Il n'y a pas à refaire. Il faut faire. Amen. C'est maintenant que tu dois le faire. Alléluia. Et même si on veut parler de refaire, ça se fait. Quand tu lis Actes chapitre 19, un groupe de personnes avait été baptisé. Pas au nom de Jésus, mais du baptême de Jean. En Actes 19, ils avaient été baptisés. Et là encore, par immersion, eux avaient été donc baptisés. On les avait plongés dans l'eau. Mais comme ça n'avait pas été fait au nom de Jésus, amen, ou si tu veux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on les a baptisés à nouveau. Ça veut dire qu'on les a plongés. Donc, même plongés dans l'eau, si ça n'a pas été fait convenablement selon la parole de Dieu, tu peux, dans ce cas, on peut parler de refaire, mais tu peux faire le baptême, amen. Et ça, tu le vois dans le livre de Actes chapitre 19. Donc, la parole de Dieu est claire, nous devons suivre la parole de Dieu. C'est pour vous encourager. Si tu as cru en Jésus, si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas te faire baptiser. Ça n'a rien, c'est comme si tu plongeais à la piscine. Ça ne fait rien. Tu ne crois pas en Jésus, tu es dans ton péché, et puis on t'a baptisé une fois, on t'a plongé dans l'eau au nom de Jésus. Même un baptême convenable, si tu n'étais pas né de nouveau, tu n'avais pas cru en Jésus, ce n'est pas un baptême. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Pas celui qui sera baptisé et qui croira. C'est celui qui croira et qui sera baptisé. Il faut croire pour être baptisé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la surabondance soit votre partage. Amen. Chaque promotion de baptisé apporte un vent nouveau à l'église vase d'honneur Sainte-Kodesh. Que cette promotion qui inaugure l'année de la surabondance divine dégage et ouvre une surabondance dans la vie de toute l'église dans le nom de Jésus. Que vos vies respectives soient marquées par la surabondance. Amen. Dieu ne fait rien de petit avec vous. Amen. Quand il commence à faire, toutes les choses deviennent surabondante. Amen. Amen.
La vie spirituelle, il vous donne une vie spirituelle surabondante de fruits, de grâce et de connexion divine. C'est votre nom, c'est votre signature. Tout ce que vous touchez, vous le moissonnez en surabondance. Quand vous semez, vous moissonnez en surabondance. Quand vous bénissez des personnes, ils reçoivent la bénédiction en surabondance. C'est une onction que vous transportez. Vous êtes la promotion surabondance divine. La surabondance ne vous quittera jamais. Elle sera toujours avec vous et auprès de vous. C'est la grâce que vous portez. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner les places. Je parlerai de toi, je me défends de l'évangile, c'est le meilleur de mes choix. Amen. Voilà, pendant qu'ils regagnent leur place, quelqu'un dit avec moi SPAC. SPAC. SPAC 2017, c'est dans pratiquement dans 2 semaines, non? Dans 10 jours. Amen. Voilà, donc, c'est ce dimanche. Non, ça ne va pas 9 jours toi aussi. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est dimanche prochain? On commence le 11, c'est ça? On est le 2. Bon, dans 9 jours, ok. Donc, SPAC, dis avec moi SPAC. Voilà, vous savez tous que c'est une conférence à ne pas manquer. Amen. Notre thème de cette année, ça sera manifester Christ, qui rentre dans... Notre thème principal, la surabondance, ressembler à Christ, être à l'image de Christ, être l'épouse de Christ. Amen. Vraiment, c'est aussi pour nous l'occasion vraiment d'être connectés à des onctions, à des grâces particulières que Dieu a déversées dans les hommes de Dieu qui seront avec nous pour être les orateurs. C'est un programme pour lequel il faut se disposer. C'est la semaine pascale. Il faut vraiment se disposer, s'organiser. Si vous avez la possibilité, en tout cas pour ceux qui travaillent, de prendre un petit congé, voilà, assister pleinement à ce programme, vous serez richement bénis. Amen. Amen. Et vraiment, les orateurs qui ont été choisis pour cette conférence-là sont des personnes qui vivent, qui reflètent et qui enseignent la manifestation de la vie de Christ. Alléluia. Mais donc, en dehors des plénières, c'est-à-dire qu'ils vont commencer tous les soirs de la conférence de 18h30 à 22h. Ça veut dire, quand vous venez à la conférence, attendez-vous à rentrer à la maison de 22h30, même 23h. Ça veut dire, c'est la semaine est consacrée à Dieu. Il faut bloquer dans ton esprit la semaine de Pâques là pour Dieu. Alléluia. Il faut savoir que la Pâques, c'est le début de l'année de Dieu. C'est maintenant que Dieu lui commence son année. En janvier, ça c'est la terre. C'est qu'un autre calendrier qui commence. Mais Dieu dit le premier mois de l'année, c'est celui de la Pâques. Alléluia. Alléluia. Donc pour nous, spirituellement, ça annonce le plan spirituel, la manifestation d'une saison. Et cette saison-là, c'est la saison de la surabondance divine. Si vous écoutez les prophéties reçues dans la traversée 16-17, vous allez voir que prophétiquement, Dieu a annoncé le démarrage de beaucoup de choses à partir du mois d'avril. Alors, il faut que nous soyons présents afin de recevoir les consignes, la parole du Seigneur pour vraiment manifester le Christ et rentrer dans cette année de surabondance divine. Amen. Même si la surabondance a commencé dans la vie de plusieurs d'entre nous. Qui a commencé à déjà vivre la surabondance divine? Oui, j'ai des témoignages. Les témoignages pleuvent. Les gens disent, pasteur, c'est... De tous côtés, on m'appelle. C'est terrible. Mais c'est puissant, la parole de Dieu. Non, beaucoup vivent la surabondance. Si tu n'as pas encore commencé, dis, mon tour est presque arrivé. Ça va commencer incessamment. Amen. Dans la matinée, on aura des sous-thèmes. Ça ne sera pas un atelier, ça veut dire qu'il n'y aura pas 2 groupes de personnes qui vont se rassembler. On vient ici, on sera à Kodesh, dans la salle principale, et on aura différents sous-thèmes que les orateurs que vous connaissez déjà vont aborder. On va voir manifester Christ dans le foyer et dans la famille. Alléluia. Souvent, des personnes manifestent Christ quand ils sont à l'église. Mais à la maison, ils manifestent un autre visage. Parce qu'à la maison, on est confronté à d'autres pressions qui nous amène à ne pas forcément manifester le caractère de Jésus. Comment vivre et manifester Christ, manifester la puissance de Christ dans le cadre du foyer, dans le cadre de la famille. Manifester Christ dans le ministère. Le ministère est une chose qui vous met à l'épreuve. Amen. Et quand je parle du ministère,
c'est concernant l'œuvre de Dieu dans tout ce qui est le service de Dieu. Manifester Christ dans les affaires, ça c'est pour tous les travailleurs dans votre vie professionnelle. Comment manifester Christ? Est-ce que Christ doit se manifester seulement dans l'église? Non, mais dans ta vie professionnelle, dans les actions que tu mènes au quotidien, la vie de Christ doit être manifestée. Nous allons faire en sorte que les sessions matinales puissent s'ouvrir à des questions, que les orateurs puissent répondre à des questions. Donc, comme vous arrivez le premier jour, vous allez avoir le programme exact. C'est quand, quels sont les jours qui vont traiter ou on traitera de Christ dans le, manifester Christ dans le foyer, dans le ministère, dans les affaires et manifester Christ dans l'adversité. Amen. Dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles, comment continuer à manifester Christ. Voilà donc les différentes sessions avec bien sûr les orateurs, pasteur Mamadou Karambiri, pasteur Yvan Castano, pasteur Marcelo Tounassi et pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa faveur soit avec vous. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier pour la parole de ce matin. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Juste le frein. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons élever. Merci parce que tu nous as donné ton nom grand, ton nom puissant. Et tu nous donnes ton nom à deux titres. Soit nous portons le nom, soit nous portons le nom en tant que fils, ou nous portons le nom en tant qu'épouse. Tu nous as donné d'expérimenter, de porter le nom en tant que fils. Maintenant, tu nous donnes de porter le nom, Seigneur Dieu, en tant qu'épouse, Seigneur Dieu. Et je suis heureux parce que tu m'as donné de porter ton nom, Seigneur. Donne-nous de comprendre et de réaliser les noces et le mariage. À toi la gloire au siècle des siècles. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. D'amour, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur pour l'instant de ta parole. Enseigne-nous tes voies. Parle-nous Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Braille de Kantara Baba Shendere de Bros. Seigneur, nous sommes dans tes bras d'amour. Révèle-toi à nous par ta parole. Brise nos doutes, nos peurs, nos manquements, nos limites, Seigneur Dieu. Ouvre les yeux de notre cœur afin d'avoir la révélation des choses que tu nous dis. Seigneur, je t'en prie, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Parle, Seigneur Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Révèle-toi à nous par ta parole. Saisis-toi de moi. Que les limitations physiques ne soient pas un frein à la révélation de ta parole. Que notre disposition de cœur ne vienne pas s'opposer à la réceptivité, à la réception de ta parole dans notre cœur. Donne-nous de la recevoir, car c'est la réception qui nous transforme. C'est la réception de ta parole qui nous amène à devenir. C'est la façon dont nous recevons ta parole nous amène à devenir. Crée en nous les bonnes dispositions. Crée en nous un cœur disposé afin que nous recevions cette parole, que nous recevions cette parole et qu'elle nous transforme dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour intimité, quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous sommes toujours dans notre nouvelle série. Après, pourquoi? Quatre raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles nous devons passer de la dimension de fils à la dimension d'épouse. Après, donc, le pourquoi. Nous allons entrer maintenant dans le comment devenir un chrétien. Nous sommes entrés, pardon, dans le comment devenir un chrétien à la dimension de l'épouse. Ou encore, comment manifester Christ. Alléluia. Si vous comprenez aussi ce thème et les points que nous abordons, ces sujets-là vont vous donner de résoudre tous les défis
auxquels vous pouvez être confrontés dans ces temps de la fin, dans ces siècles de la fin. Amen. Quels que soient les problèmes, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, si tu comprends ce message, si tu comprends cet enseignement, la victoire de Jésus sera pleinement ton partage dans ce temps de la fin. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ça veut dire je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc depuis le début, je vous ai expliqué que vous savez que la Bible dit, 1 Jean chapitre 3, verset 1, que nous sommes maintenant enfants de Dieu et que ce que nous allons devenir n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ. Alléluia. Nous serons semblables à Jésus. Mais être semblable à Jésus, ça ressemble étrangement à ce que la Bible dit. La Bible dit quand Dieu a voulu marier Adam à Ève, et voici ce qu'il a dit. Il a dit, je vais lui susciter une aide qui lui ressemble, qui soit son semblable. Donc, l'épouse Ève ressemblait à Adam. Et 1 Jean 3, 1 nous dit, nous allons devenir semblables à Christ. Et nous savons que la Bible dit aussi dans le livre d'Apocalypse que Jésus vient chercher une épouse, une église devenue épouse, une épouse sans tache ni ride. La Bible dit, nous fait comprendre dans le livre de Éphésiens que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair, parlant donc de Jésus-Christ et de l'Église. Et nous devons absolument entrer dans cette dimension. Tout le début de ma série, je suis de vous faire comprendre que c'est indispensable. Alléluia, c'est vraiment nécessaire. Je sais qu'en tant que fils de Dieu, pourquoi je le dis? Parce qu'en tant que fils de Dieu, tu peux dire, mais je suis déjà sauvé, tout va bien, je vais au ciel, je suis content que le nom du Seigneur soit béni. Et tu peux ne pas être motivé à faire ou à essayer de faire ce que je suis en train de te dire maintenant. Tu peux ne pas être motivé parce que tu dis, bon, en tant que chrétien, fils de Dieu, c'est largement suffisant. Si tu restes un chrétien à la dimension d'enfant ou de fils de Dieu, tu risques d'abandonner la main de ton Dieu. Tu risques de rétrograder. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas trouver, après même la prière, après des temps de jeûne, tu ne vas pas trouver la solution à certains de tes problèmes. Ça veut dire, il y a des problèmes qui auront un tel niveau de force que la vie chrétienne standard ne sera pas suffisante pour résoudre ce problème-là. Cela va t'amener à te retourner, à te tourner vers le monde pour chercher des solutions auprès du diable. Et c'est en ce moment-là que tu risques de te vendre à Satan, à laisser entrer les démons dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, parce que dans la prière, tu n'as pas trouvé la solution à certains de tes problèmes. Parce que simplement, le diable va amplifier les degrés des défis et des challenges. Il va mettre plus d'énergie maléfique dans les problèmes qui s'opposent. Il sera difficile aux gens de quitter la pauvreté pour rentrer dans la surabondance. Il sera de plus en plus difficile à ceux qui souhaitent se marier d'entrer dans le mariage. Alors une femme qui attend depuis longtemps le mariage, si elle ne trouve pas un mari dans la foi, elle peut aller chercher dans le monde et faire entrer dans sa vie quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Pourquoi? Parce que son âge est en train d'avancer, le temps est en train de passer, elle a des désirs, elle a des besoins et elle ne trouve toujours pas quelqu'un qui craint le Seigneur. Elle peut se livrer à un moment donné faibli et se livrer au monde. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui cherche du travail depuis des années, depuis des années, depuis des années, on vient, on lui fait une proposition et la seule entreprise dans laquelle il travaille, on lui demande de faire du mal, de falsifier, de tricher, de faire cela. Il sait que s'il dit non à ce travail, il ne saura plus comment nourrir sa femme, nourrir ses enfants, payer son loyer. Alors, la tentation d'entrer dans la corruption en tant que chrétien sera forte et beaucoup de gens vont abandonner la main de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi les chrétiens seront autant affaiblis? Quelqu'un qui est un homme d'affaires, qui a une entreprise, vous arrivez dans un monde où si tu ne te corromps pas, si tu ne fais pas des tables, tu ne peux pas avoir de marché. Si tu ne rentres pas dans certaines magouilles, des portes te restent fermées. Or, tu dois prendre en charge ta maison, tu as envie de t'investir dans l'œuvre de Dieu, tu veux financer le royaume de Dieu, tu as plein de projets, mais tu es vraiment coincé. Tu es vraiment coincé. Et là, les gens vont te faire des propositions d'entrer dans des sectes occultes. D'entrer, j'ai rencontré un frère, c'était dans la vie, deux ou trois personnes qui m'ont écrit et qui m'ont parlé vraiment de leur tentation à entrer dans ces choses. Parce qu'on leur a dit clairement, mon ami, si tu veux avancer,
Si tu veux que ta vie soit facile, il faut que tu participes à nos actions. Et souvent, ils me demandaient, mais pasteur, est-ce qu'on peut pas... Hein, parce qu'ils m'ont expliqué qu'il y a des gens qui sont là-bas qui sont chrétiens aussi. Hein, et puis on lui cite des noms, on dit, mais un tel. Mais même, et puis il y a des gens qui vont dire, mais peut-être même que ton pasteur, peut-être qu'il est dedans. Voilà, sois rassuré, je ne suis pas dedans, je ne serai pas dedans, je n'ai rien à voir. Voilà, hein, mais mes frères, les pasteurs, les Kassanou, eux là, surtout le pasteur Yves qui est au Congo, là les gens ne répondent pas, on dit, il est dedans. Que tu ne peux pas être PDG d'une si grosse boîte dans un pays sans être trempé dans leur système. Il n'est pas là-dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on le garde à ce poste? Parce qu'il y a une onction sur sa vie. Il n'est pas dans leur système. Les gens font tout. Bon, franchement, quand je l'ai vu venir prêcher ici, il hésite. Il dit non, comme tout le monde connaît Pasteur Yvan, on va trop les confondre. Bon. Je lui dis, mais viens quand même, c'est pas grave. Amen. Mais il nous a déjà une petite fois exhorté, n'est-ce pas? Voilà. Et il est confronté à des difficultés. Et quand j'observe sa vie, je vois que Dieu règne et qu'on n'a pas besoin de se compromettre pour élever le royaume de Dieu. Amen. Les gens se lèvent, ils veulent décider des lois, des choses contre sa vie, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une puissance qui est sur sa vie. Voilà, c'est de cette puissance-là que je vous parle. C'est comment entrer dans cette puissance où, tout en étant droit, criant Dieu, vous réussissez, vous avancez et que le système du monde ne vous atteint pas. Il existe une puissance en Dieu. C'est de cette puissance-là que nous sommes en train de parler. Amen. Tu n'as pas besoin de te livrer au monde. Maintenant, ces gens diaboliques qui ont pollué l'atmosphère, les systèmes, l'administration, la politique, ces gens qui ont pollué, il faut savoir qu'eux aussi, ils polluent et ils sont dangereux, pas parce qu'ils sont forcément un réseau, mais parce qu'ils invoquent d'autres entités. C'est ces puissances-là qu'ils invoquent qui leur ouvrent des portes, qui leur accordent des financements. Je vous avais dit une fois qu'une sœur me confessait qu'un monsieur est parti la voir. Un monsieur est parti, il dit, bon, ce sont les banquiers, il dit, finance tel projet. Elle dit, monsieur, le projet là n'est pas bancable, on ne peut pas le financer. Il dit, j'ai dit, il faut que tu finances. Elles étaient deux dames, il y en a une qui n'est pas chrétienne, a décidé sur le dossier. La nuit, la seconde, les démons qui l'ont attaqué, pour lui dire, le gars là, signe le prêt, donne-lui l'argent. Elle était tourmentée. Le lendemain, quand elle arrivait, elle venait dans sa camarade, le gars là n'a qu'à lui donner. Vous voyez ça? Parce que le monsieur, soit ils ont des réseaux, soit ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas naturels. Quand vous partez, vous êtes deux personnes, vous déposez un dossier. Toi, tu arrives, tu as fait ta signature, tu crois que ton diplôme avec ton expérience, mais il ajoute à l'expertise une autre puissance qui est invisible. Tu comprends? Donc, mais comment est-ce que ces gens-là deviennent de plus en plus puissants? Parce qu'eux aussi, ils ont compris la puissance du mariage. Les types d'alliances qu'ils contractent avec les démons ne sont pas juste des inspirations. Ceux qui sont inspirés, c'est ce qu'on appelle les fils du malin. Maintenant, il y a un autre lien avec les démons qu'on appelle, ce sont des liens de mariage. Ils se marient à des esprits. Et il y en a qui se marient à plusieurs types d'esprits. Il y en a qui se marient à des esprits qui leur révèlent des choses cachées. Il y en a qui se marient à des esprits qui font que tu ne résistes pas à leur charme. Quand ils parlent, tout ce qu'ils disent, tu vas dire oui. Quand il arrive devant toi, il te dit oui. Il dit, tu vois, hein, le marché, il présente son dossier. Le dossier n'est même pas bien. Quelquefois, tu crois que c'est parce qu'il connaît le directeur. Quelquefois, il n'a pas besoin de les connaître. Il arrive, quand il a fini de se laver, il arrive à l'heure, il dit, présente ton projet. Et il vient. Quand vous voyez le projet là, on ne sait même pas où, qu'est-ce qu'il raconte. Il dit, vous voyez, c'est décousu, il n'y a pas de... Mais il compte sur autre chose. Lorsqu'il a fini, les gens sont là. Mais il y a un là, son dossier est bien, mais on va donner quand même à ce monsieur-là. Et donc vous voyez, vous êtes honnête, vous avez travaillé sérieusement, vous avez fait des œuvres, monté un bon dossier. Et quelqu'un, parce qu'il s'est lavé, il récupère. Il y a des gens comme ça. Le directeur arrive, le ministre arrive, le président dit, lui, on va le renvoyer. J'ai dit, demain je le renvoie.
le gars il va se marier avec un démon supérieur à celui qu'il avait avant. Parce que celui que le chef a, peut-être que la puissance du chef est supérieure, donc le chef veut le renvoyer maintenant. Il dit, ah bon? Il s'en va chercher encore le même démon qu'il a initié la première fois. Il dit, j'ai un grand frère qui est plus puissant que le démon du chef. Faut le marier. Et il se marie encore à un nouvel esprit qui le réveille. Et après ça, quand le chef a décidé de le renvoyer, il vient. Il dit, patron, j'ai appris que vous êtes fâché contre moi. Même après qu'on l'ait renvoyé, il vient simplement dire bonjour. Merci d'avoir eu confiance en moi la fois précédente. Si vous me donnez une nouvelle opportunité, vous allez voir. Et puis il s'en va. Le patron était fâché contre lui. Il ne voulait même plus le voir en peinture. Après ce rendez-vous-là, il change d'avis. Il dit, mais notre gars n'était pas mal. Oh, il a détourné, il a vidé la caisse, il a fait tomber la boîte aux yeux de tout le monde. Et sans que vous compreniez, deux jours après, repositionné en hauteur. Pourquoi? Vous comprenez? Voilà. Mais ces gens-là, pour pouvoir aller, ils font des sacrifices. Ils s'approchent, ils se donnent, ils se livrent. Ils se livrent à des entités. Nous, Jésus a tout accompli. Ce qu'il te demande, c'est reçois ce que j'ai déjà fait. Tout ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas des actions pour mériter la grâce. C'est juste recevoir la grâce. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ces gens-là, ils vont essayer de mériter, ce qui fait qu'ils doivent sacrifier des enfants, des proches. Nous, on n'a personne à sacrifier. Jésus a déjà payé. Alléluia. Mais quand Dieu veut te donner sa puissance, il faut que tu puisses la recevoir. Tu puisses la recevoir. Alléluia. Et c'est quoi la puissance? Je vous avais expliqué que l'eau, c'est comme le Saint-Esprit, la puissance que Dieu envoie. Maintenant, si tu es un chrétien, donc Dieu t'envoie, tu seras confronté à toutes sortes de démons. Il te dit ça. Ok, il dit, ok mon fils, Jésus a tout accompli. La Bible dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc il y a tout au ciel. Il y a tout au ciel. Il y a la puissance qui traite avec le blocage financier auquel tu es confronté. Les démons de célibat et de débauche sexuelle qui sont venus sur la terre rendent de plus en plus compliqués les mariages. Mais Dieu a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout payé. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu sois bloqué. Seulement, il existe une puissance qui va venir écraser le démon qui s'oppose à toi. Mais tu es un chrétien, 50 centilitres. Quand Dieu envoie la puissance, la quantité de puissance, lui, il en a plus. Mais la quantité qu'il envoie n'est pas suffisante pour traiter le problème. Amen. Il a besoin que tu élargisses ton volume pour qu'il t'envoie plus de puissance. Donc je veux dire, tu ne payes pas l'eau. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de donner un plus grand récipient. Amen. C'est de donner plus de place à Dieu dans ta vie pour que Dieu se démontre. Parce que c'est que la puissance de Dieu qui arrive dans ta vie, c'est une puissance 50 centilitres. Or, les démons qui sont devant toi, ils sont des démons 1000 litres. Donc, 1000 litres de poison contre 50 centilitres de poison. Maintenant, Dieu, il n'est pas limité. Il n'a pas 1000, il n'a pas 50. Il a une infinité de puissance. Tous les esprits sont limités. Le truc, c'est que tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Tu n'as pas acheté. Tu vas au marché, quelqu'un a acheté quelque chose pour toi. Il te dit, voilà l'objet. Mais si ta main est fermée, tu ne vas pas recevoir. La chose n'est pas active. Il faut que tu ouvres la paume. Et ta paume peut prendre une quantité d'éléments. Plus ta main est large, plus tu pourras recevoir. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir une plus grande capacité de réception de ce que Dieu envoie. Amen. Donc, tu dois travailler à élargir pour que Dieu puisse te donner davantage de grâce. Dis avec moi, je m'élargis. Je m'élargis. Je m'élargis. Alléluia. Donc dis à ton voisin, c'est tout ce que tu as à faire. Faut t'élargir, on va avancer. Faut t'élargir. Alléluia. Il faut t'élargir. Bon, l'élargissement, c'est la condition pour recevoir. Mais il y a une autre chose qui n'est pas l'élargissement qui fait qu'on peut ne pas recevoir. C'est
la mauvaise focalisation. C'est ce que j'expliquais depuis le début. Voilà. Le vide intérieur du verre qui a besoin de la puissance est ce qu'on appelle la soif. Alors, je vous ai dit, comment est-ce qu'on devient l'épouse? Il faut canaliser la soif sur le Christ. Ça veut dire quoi? Si Dieu vient renverser le verre, il vient renverser l'eau dans le verre, pardon, mais que il veut mettre l'eau, toi tu vas ici. Il dit, viens, j'ai été rempli. Tu viens à un moment donné, tu viens là. Il dit, mais reste calme. Reste calme. Reste calme. Donc, un chrétien très agité, qu'il fasse 1000 litres, 40 litres, un chrétien très agité, quelle que soit votre soif, si vous n'êtes pas focalisé, vous ne vous arrêtez pas sur la source de la vie, Dieu ne pourra pas vous remplir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Et c'était ça la première clé. Comment est-ce qu'on devient l'épouse? Devenir l'épouse, c'est recevoir l'esprit en abondance et recevoir ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Je vous ai montré, la Bible dit que nous aussi, Romains chapitre 8, nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons. Donc, les païens soupirent, ils ont soif. Les chrétiens aussi soupirent. Et la Bible dit pourquoi? Parce que nous, ce que nous avons reçu comme dose de Saint-Esprit, ça s'appelle les prémices, ça veut dire la première partie. C'est bien, c'est puissant, mais les fils de Dieu travaillent avec les prémices. L'épouse de Christ travaille avec la totalité. Quelqu'un est avec moi? Elle a accès à la totalité. Les fils, ils n'ont accès qu'aux prémices. L'épouse, elle a accès à la totalité. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen. Donc, il faut rester focalisé pour que l'Esprit Saint vienne te remplir. C'est lui qui va te conduire dans la dimension. Pourquoi on dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Les deux vont ensemble. Amen. L'épouse, c'est celle qui a la totalité de l'Esprit. Les fils, c'est eux qui ont les prémices de l'Esprit. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Et c'était la première clé. La deuxième, je vous ai dit, pour que l'eau vienne, il faut... Comment est-ce qu'on montre qu'on est focalisé? C'est dans nos prières. Ce qui caractérise, ce qui fait l'objet principal de tes prières, ça veut dire traduire ce qui habite ton cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est qui une épouse? Une épouse est une femme... En fait, pour qu'il y ait mariage, il faut que le cœur de la fiancée soit tout entier sur son homme. Tu ne peux pas tolérer que la manière dont elle t'aime, elle aime quelqu'un d'autre de la même façon. C'est un amour exclusif. Tandis que entre un père et ses enfants, il n'y a pas d'amour exclusif. Il aime ses enfants de la même manière. Amen. Mais entre un marié et sa femme, l'amour est exclusif. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a étudié maintenant Jacques chapitre 4, où le Seigneur dit, vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal. Jacques 4, 3, il dit, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il ne parle pas ici de péché. Il est simplement en train de dire que si ce qui passionne ton cœur, c'est un autre sujet que le Christ, Dieu est vexé. C'est pourquoi au verset 4, il va dire adultère. Il ne va pas dire mondain, mais il va dire adultère, comme une femme qui vient de tromper son mari. Donc, même si tu ne pèches pas, mais que tu es passionné de voiture, et que quand tu pries, tu ne penses, je veux la voiture, je veux la voiture, je veux la voiture, je veux la voiture, Dieu est frustré. Je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. La Bible dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, ou parce que vous ne demandez pas, hein? Il y en a qui ne demandent même pas. Maintenant, quand tu te demandes, tout ce qui est susceptible d'être un sujet passion, ne demande plus ce sujet. Ne j'oublie jamais ça. Tout sujet qui prend trop ton cœur, ça s'appelle un sujet relatif à la soif. Ce sujet-là, il ne faut plus l'exposer devant Dieu dans la forme. Si tu sens que tu as besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent, et l'argent n'arrive pas,
ne demande plus l'argent. Tu veux te marier, le mariage n'arrive pas, ne demande plus le mariage. Ce que tu demandes, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, Dieu prend la forme visible du mariage ou de l'argent pour réveiller ta passion et te dire, en fait, c'est pas la, l'argent n'est pas ton problème. Demande l'Esprit du Seigneur. Parce que quand la puissance de l'épouse va venir sur toi, ce problème de mariage, ce problème d'argent sera résolu en même temps. Mais comme Dieu sait que ce n'est pas seulement l'argent qu'il te faut pour résoudre, parce qu'aujourd'hui, tu crois que c'est l'argent, parce que tu t'apprêtes à bâtir une boîte, une structure. Mais quand même, tu vas te donner l'argent pour ouvrir la boîte. Il te faudra après le bon comptable, il te faudra après les bons collaborateurs. Donc, avoir l'argent, c'est une chose. Mais si je travaille avec un mauvais collaborateur, mon argent va partir. Donc, Dieu ne veut pas te donner l'argent. Dieu veut te donner le Saint-Esprit qui, lui, dans sa gloire, va amener les ressources, va amener les personnes, va amener tout. Amen. Alléluia. Or, quand tu pries seulement pour un aspect qui te passionne, il y a d'autres choses qui ne sont pas ajoutées à ton sujet. Sauf que même si Dieu te répond favorablement, tu vas te retrouver toujours dans une dimension d'insatisfaction parce que, bon, tu as eu l'argent, mais tu as eu un mauvais gestionnaire de tes fonds. Tu as ouvert tes bureaux. La secrétaire que tu as mis là, elle ne sait pas répondre au téléphone. Voilà. Je ne sais pas quoi. Tu as trouvé quelqu'un pour défendre ton dossier devant la justice. Mais malheureusement pour toi, tu te mets sur un faux avocat. Tu vois des petites choses comme ça. Ce sont des détails, mais qui peuvent, même quand tu as les moyens, te créer de sérieux problèmes. C'est pourquoi, quand un sujet commence à devenir passion, ça veut dire que Dieu estime que ce que tu demandes, il a plus que ça à te donner. C'est pourquoi il ne te donne pas, en fait. Il ne te donne pas pour que tu recadres ton sujet et que tu dises, c'est toi, je veux. Je veux juste toi. Je veux juste toi. C'est ce que tu dois faire. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Parce que comment se fait l'exaucement? Comment un chrétien devient puissant dans la dimension de l'épouse? La puissance en Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? La puissance en Dieu, la manifestation de la puissance en Dieu est aussi ce qu'on appelle le revêtement. La Bible dit, alléluia, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Ça n'a pas encore été manifesté. Donc ça existe, mais c'était caché. Ça doit maintenant sortir. Ça doit être visible. Alléluia. Mais ce qui va être visible, ce n'est pas visible aux yeux humains. C'est visible au monde spirituel. Et c'est là que les choses doivent être. C'est là que les choses doivent être traitées. Même, on n'a pas la vision spirituelle des choses de Dieu. Même un païen perçoit. Il n'est pas très conscient, mais le monde spirituel l'influence. On sent des choses. Je parlais avec un pasteur il y a quelques temps, il parlait d'un autre homme de Dieu. Il me dit, l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui est très critiqué, apprécié et critiqué par d'autres. Et il me dit, ah, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il me dit, pasteur Zanogo, il y a une chose qui est remarquable. C'est que il n'a pas besoin de parler. Quand il rentre dans un endroit, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il dit pas, il n'a pas dit un mot. Il dit quand il arrive, s'il rentre dans un restaurant, vous sentez que quelqu'un est arrivé. Les vents, tout le monde devient bizarre. C'est-à-dire que tu sais que quelqu'un est là. Il y a une présence. Je dis, waouh. Voilà. C'est-à-dire, son revêtement est dense. Un revêtement dense. C'est un habit invisible aux yeux naturels. Mais le monde spirituel le perçoit. Et l'esprit des hommes le perçoit. Même s'ils sont païens, ils sentent ça. C'est bizarre. Donc, c'est cette puissance-là. En fait, parce que Dieu est esprit. C'est cette puissance-là qui attire ce qui est pour toi et qui repousse ce qui n'est pas à toi. Donc, quelqu'un qui arrive comme ça, il est mal intentionné. Quand il arrive, il y a comme son esprit. Parce que le revêtement, là, lui, il est escroc. Toi, tu es dans la sainteté. Donc, l'habit de sainteté, là, son esprit comprend qu'il ne peut pas rester dans ta présence. Et s'il voulait venir t'escroquer, tu vas te rendre compte, il va dire non, il faut que je parte, je te laisse. Il sent que on peut escroquer tout le monde, mais pas toi. Si
Un fou type voulait te marier. Amen. Mais les faux types, quand ils veulent t'épouser, les faux types, tu ne sais pas qu'ils sont faux types. Parce que leur apparence est vrai type. Ils parlent comme un vrai type. Ils se meurent, ils bougent comme un vrai type. Mais seulement, dans son esprit, c'est quelque chose d'invisible. Et quelquefois, les gens ne savent même pas qui ils seront demain. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il est profondément amoureux de toi, il ne se rend même pas compte que demain, il va te laisser. Il ne sait même pas ça. Parce que la fausseté, ou bien la duplicité, ce n'est même pas forcément l'hypocrisie, ou bien l'inconstance. Il y a des gens qui sont profondément... Quand je vous parle de ma vie, je dis, je ne sais pas terminer. J'étais profondément inconstant. Ce n'était pas volontaire. Quand quelqu'un a un tempérament, par exemple, qu'on a dit les gens qu'on appelle les sanguins, ce sont des gens qui sont très enthousiastes au départ, mais qui après se refroidissent très vite. Mais vous pensez que quelqu'un comme ça, est-ce qu'il sait qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est? Donc c'est le gars des personnes, quand tu le vois au début, votre mariage, ça va vous paraître chaud. Il dit non, lui c'est un vrai gars. Il te parle, il te fait des promesses. On va aller ici, on va aller là. Yeah, yeah. Mais il est sincère, il est sincère. Mais lui-même, il ne sait pas. Qu'il n'est pas, lui-même, il ne sait pas. Qu'il n'est pas persistant dans ses engagements. C'est quelqu'un qui n'est pas persistant dans ses engagements. Il prend des décisions, il est enthousiaste. Lui-même, il croit qu'il va aller jusqu'au bout. Et puis après, des événements très banals, il change d'avis. Il change d'avis. Donc, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas sentir. Mais, l'esprit qui rentre en vous, il est saint. Lui, il n'est pas inconstant, il est constant. Il est droit, il est pur. Le truc, c'est qu'il est caché, il doit sortir. Et c'est quand il sort, quand tu es rempli de lui et qu'il prend l'ascendant, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Donc, il te recouvre. Il te recouvre. Et lui, il attire. Où il sélectionne. Quand quelqu'un arrive avec un mauvais cœur, c'est comme si la puissance-là délivre les gens des mauvaises choses et les rend meilleurs. Plus les gens s'approchent de toi, plus ils s'améliorent. Quand tu as un bon revêtement, si quelqu'un était arrivé, il était faux. S'il reste en ta présence, le faux-là va le quitter. Et il va te regarder, il va dire, frère, avant j'étais escroc, hein, mais depuis que je marche avec toi, j'ai changé. Il va devenir honnête. Parce que le revêtement purifie. Le revêtement sanctifie l'environnement. Amen. Amen. Maintenant, il y a le revêtement de fils. Il y a le revêtement de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand je vous avais enseigné sur le revêtement il y a quelque temps, en parlant des déserts, on était dans le revêtement des fils. Où je suis en train de partir, c'est l'habit de l'épouse. Quelqu'un est-il avec moi? Un fils ne s'habille pas en robe de mariée, c'est un problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Voilà. Donc, le revêtement, c'est quoi? C'est simple. L'esprit rentre d'abord en toi. Donc, voici le Saint-Esprit. Tu ne te défocalises pas. Tu pries pour un sujet. C'est toi, je veux. Donc, le verre reste stable. Et Dieu te remplit. Remplis-moi. C'est toi, je veux. Je veux juste ta présence. Juste toi. Juste toi. Et plus tu es stable, plus tu es constant dans ta prière, plus vite tu seras rempli. Plus tu es inconstant et tu bouges partout, plus lentement tu seras rempli et plus longuement, plus longs seront tes problèmes à traiter. Ok? Donc gagnons du temps. Dis-toi, gagnons du temps. Gagnons du temps. Voilà. Tu es resté bloqué trop longtemps, tu comprends? Donc il faut faire ce que je t'ai dit là. Reste calme. Dis-toi, reste calme, pardon. Voilà. Faut pas écouter mon message et demain, avant la fin de la semaine, tu vas te défocaliser, aller te concentrer sur un autre sujet qui n'est pas l'essentiel. Ah, ce qui est passé, expliqué là, on comprend, c'est bon, hein. Mais Jésus, moi, tout ce que tu demandes là, j'ai me marié. J'ai me marié, on dit. J'ai dit, mais ce que je me concentre. Je dis, ne prie plus pour le mariage. Prie, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Tu finis de m'écouter, mardi. Lundi, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mardi. Tu te rappelles du mariage de ta copine. Tu te rappelles du mariage des gens. Tu dis, Seigneur, ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Moi, là, mais je suis fatigué.
Voilà. Je veux Saint-Esprit, mais ça là, pour moi là, c'est simple. Donne-moi un mari, je veux me marier, tu vois ça. Et là, tu. Alléluia. Ça peut aller. Amen. Donc, reste focalisé. Faut pas bouger. Parce qu'il ne voudra pas te remplir. Donc, quand tu commences à prier, remplis-moi, il commence. Il fait un peu. Après, tu fais, je suis fatigué. L'eau verse ailleurs. Je suis fatigué. Non, sois pas fatigué. Reste calme. Ce que Dieu a commencé, laisse-le achever. Amen. Tu restes calme et il va te remplir. Tu dis, c'est toi je veux. Il dit ceci, demandez-le, vous donnera, cherchez, vous trouverez. Et puis il dit, il n'y a personne qui demande le Saint-Esprit à Dieu. Et Dieu ne va pas lui donner le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit très facilement, mais il faut lui demander. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. 10 petits jours seulement, les disciples ont été remplis. 10 petits jours. Ce n'est pas un an de prière. Ils ont fait en 10 jours, ils ont été remplis, revêtus. Ça va très vite. Mais il faut être focalisé. Amen. Donc quand il te remplit, une fois que l'eau, le vase est rempli, l'eau déborde. Donc le Saint-Esprit entre en toi et quand tu es plein du Saint-Esprit, il déborde. Donc l'eau qui vient recouvrir la paroi extérieure du verre est ce qu'on appelle le revêtement. Le verre est revêtu. Alléluia. Et c'est là qu'on avait lu, vous vous souvenez, Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit, là comme, ramenez maintenant les textes rapidement. Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Lorsqu'on est rempli, on arrive à être conduit. Ce sont des choses que j'ai déjà enseignées, mais vous allez comprendre cela, la dimension de l'épouse. Dans l'histoire de Jésus ici, on est question, il est question de la plénitude et du revêtement en tant que fils de Dieu. Ce dont on va parler, c'est la plénitude et le revêtement en tant qu'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais c'est le même procédé, le même processus. Voilà. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc rappelez-vous, quand l'Esprit remplit, ça veut dire qu'il a comblé le vide, tes 33 ou bien tes 40 ou tes 100 centilitres que tu présentes, il te remplit, il comble le vide. Donc Jésus est rempli. Et puis on arrive maintenant au verset 14, Luc 4, 14, il est dit, donc après avoir été rempli, Luc 4, 14 dit, Jésus, qu'est-ce qu'on dit, Jésus quoi? Revêtu. Donc Jésus a été rempli et quand l'Esprit a débordé, maintenant la Bible dit que Jésus n'est pas simplement rempli, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand on dit rempli, on parle de surtout rempli de cet esprit. Mais quand on arrive dans le revêtement, on parle de puissance. C'est cette puissance-là qui traite avec le monde extérieur. C'est une puissance. C'est de l'énergie. Très haut voltage. Haute tension. Non, haute tension est petit. La puissance qui est sur l'épouse, elle est terrible. Elle s'amplifie. Justement, ce monsieur dont on me parlait, qui avait un revêtement, je parlais avec un autre pasteur qui me parlait de lui, il m'a dit, c'est très difficile de l'approcher. Il m'a dit, il y a un qui dit, j'ai eu le privilège de rester avec lui un moment. Je suis rentré chez lui à la maison. Il dit, quand tu arrives là, la maison est calme. Ça dit que, on lui a dit, le monsieur là, toute la journée, tout le temps, il avait Jésus seulement. C'est-à-dire que quand tu vois, il est. C'est comme si. C'est-à-dire quand tu arrives là, il est au ciel, quoi. C'est comme s'il n'est plus sur la terre. Mais la puissance qui dégage, même financièrement, tout ça. Un jour, il y a un monsieur, on m'a dit un monsieur qui le cherchait pour lui faire une offrande de 1 million de dollars. Soit. Près de 600 millions de francs CFA. Et puis on a dit, monsieur, prenez rendez-vous, vous allez se voir dans 6 mois. Il dit, mais comment? Ça, c'est une offrande importante, je vais passer à autre chose. On dit, non, vous êtes le 50e sur la liste de ceux qui sont à moins de 1 million, qui ont pris rendez-vous un à un. Chacun vient, un à un, pour dire. Le premier vient, 600 millions de francs CFA. 600 millions, les gens sont en rang. Lui, il est dans la présence. Il adore. La bille.
Amen. Toi, tu travailles, tu fais beaucoup de sueur. Lui, il fait ce que Dieu l'a demandé de faire, il fait ce qu'il aime, ce que Dieu l'a demandé de faire. Donc, il ne souffre pas pour travailler. Quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé là, il n'y a aucune souffrance. Amen. Mais ce qui arrive, c'est plus que ceux qui souffrent pour travailler un travail qui va les mettre à la retraite, qui va les chasser après. Alléluia. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Amen. Alors quand tu es rempli, l'esprit te revêt. Et c'est le revêtement qui parle. À l'époque, je vous avais demandé ceci, je vous avais dit ceci. Lorsqu'on vous dit, la Bible, les gens disaient, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Si vous remarquez dans l'évangile, vous allez voir que quand Jésus rencontre un possédé, le démon crie, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Puis il a peur, il s'en va. Et je vous ai posé la question, mais de 0 ans jusqu'à 30 ans, où Jésus a été revêtu, parce que c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Donc, ça a l'air de 30 ans qu'il a été rempli et qu'il a été revêtu. Quand il avait 15 ans, pourquoi les démons ne criaient pas, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu? Parce que ce qu'on sait, c'est que son premier miracle, c'est transformer l'eau en vin. Donc, c'est à 30 ans que Jésus a commencé à faire des miracles. Avant ça, il n'avait fait aucun miracle, parce que son premier miracle, c'était l'eau en vin. Donc, avant 30 ans, là, il n'a chassé aucun démon, il n'a guéri aucun malade, il n'a fait aucun miracle. Les démons le voyaient et les démons restaient calmes. Ils ne les influençaient même pas. Mais est-ce qu'à 15 ans, Jésus était fils de Dieu? À 17 ans, il était fils de Dieu? À 12 ans, il était fils de Dieu? Mais les démons, pourquoi les démons ne savaient pas? Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Donc Jésus est le fils de Dieu, mais on ne le perçoit pas. Mais lorsque l'esprit l'a revêtu, lorsque l'esprit a quitté l'intérieur pour venir sur l'extérieur, là, dans le monde invisible, les esprits voyaient qu'il était différent. Les rois, les autorités, les gens sentaient qu'il y avait quelque chose sur lui. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Et l'épouse a aussi un revêtement. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. J'entends pas bien ton amen. 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 Et dans le livre d'Apocalypse, je crois chapitre 19, attends, je retourne ma référence. Verset 7. Apocalypse 19, 7, il est dit, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc, la Bible dit, l'épouse s'est préparée. Et la préparation a consisté à porter un habit, un revêtement de fin lin. Et quand on a envie de dire, mais le lin là, c'est quoi? Il faut aller chercher ça chez les vendeurs de paille. On dit non. Le lin là, ce sont des œuvres. Mais pas n'importe quelle œuvre. Les œuvres justes des saints. Donc, il y a un habit qui est très particulier, qui est réservé à l'épouse. Un revêtement très spécial. C'est un revêtement éclatant. Et c'est l'éclat, c'est cette lumière de ce revêtement-là qui arrive dans les ténèbres et qui les fait fuir. Il brille. Tu rentres dans un environnement où les gens sont diabolisés, diaboliques, quel que soit le mariage qu'ils ont fait. L'habit, quand tu commences à le coudre, à le préparer, il t'ouvre des portes extraordinaires. L'habit de l'épouse, soit revêtu au nom de Jésus. Soit revêtu au nom de Jésus. Amen. Mais ça, en fait, c'est la quatrième clé. Comment devenir l'épouse? C'est la quatrième clé. La quatrième clé. Comment on devient l'épouse? Je veux parler de... C'est quoi les œuvres justes, là? Mais en fait, les œuvres justes... Pourquoi j'ai dit ça? Les œuvres justes, parce que ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Voilà, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Mais un des aspects très importants de ces œuvres émane du troisième point qu'on a traité la dernière fois. C'était quoi le troisième point? Non, pas l'amour simplement, hein. Augmenter son amour. Ce n'est pas l'amour, c'est l'augmentation de l'amour. C'est-à-dire, le niveau que tu as là,
tu dois faire un pas de plus. Voilà. Et l'amour, la vie, ce sont les œuvres justes des saints. Bon, je ne suis pas encore arrivé là-dessus, mais on va, on va dire ce sont des bonnes œuvres. La Bible dit que il nous a choisis pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, des bonnes œuvres. Donc, ce sont des, c'est pas des paroles, c'est les actions. La Bible dit que quand Jésus va venir chercher l'Église, il va qualifier les croyants en deux catégories. Ceux qui sont allés visiter les pauvres, qui sont allés dans les hôpitaux, ils parlent des œuvres. Ils parlent des œuvres. Ce sont ces œuvres-là qu'on va les détailler. Vous allez comprendre en fait de quoi il s'agit. Ce sont ces œuvres-là qui font la décoration. Les dames, les perles comme elles, les accessoires de la robe éclatante. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire dans la pratique, là, il faut agir. Et je vais expliquer, il faut agir, sinon tu ne t'habilles pas, sinon le revêtement ne prend pas place, mais ça c'est une autre chose. Mais même l'action là doit être induite, ce qui fait que l'action est juste, ce qui fait que le revêtement est juste, c'est l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut aimer. Amen. Vous voyez, je utilise des choses. Quand on lit la Bible, qui peut paraître compliqué, mais je vous l'explique simplement avec des choses simples de la vie pour que vous compreniez. Ce sont les œuvres. Amen. À la fin, c'est l'action là que tu dois retenir. Ce que tu dois faire quand tu pries, prie pour le Saint-Esprit. Quand un sujet te fatigue, prie pour le Saint-Esprit. Première clé. Amen. Focalise-toi sur le Christ. Qu'est-ce que tu demandes? Demande le Saint-Esprit. C'est ce que mon sang devient épouse. Saint-Esprit, je te veux. Troisième chose, qu'est-ce que je dois faire? Il faut aimer plus. Amen. Et je vais t'expliquer en quelques minutes là, qu'est-ce que je sous-entends par aimer plus. La dernière fois, j'avais introduit, ça signifie quoi? Pourquoi je veux aimer plus? Quand je veux aimer plus, ça va élargir mon vase. Alléluia. Alléluia. Quand je veux aimer plus, plus je vais aimer, plus ça va qualifier mes œuvres. Et mon revêtement sera pur, éclatant et saint. Quelqu'un est-il avec moi? Et je vais l'illustrer avec les éléments qu'on a là ici. Vous allez voir, c'est très simple. Amen. Amen. Voilà. Je disais tout à l'heure en faisant la première illustration, je dis tu es confronté à un problème de 10 000 litres. Et toi tu es un chrétien, 50 centilitres. Dieu veut te donner plus. Comment je peux recevoir plus? En m'élargissant. Qu'est-ce que j'élargis? Ça veut dire comment je m'élargis? C'est ça le troisième point. En augmentant mon amour. Ce qui fait le volume spirituel d'un croyant. Ou le volume spirituel des croyants à la dimension de l'épouse. Amen. C'est le volume d'amour. La façon dont tu aimes, ton volume d'amour. Plus ton volume d'amour est grand, plus Dieu peut te donner beaucoup. Moins ton volume d'amour est grand, moins Dieu peut te donner. En fait, il peut te donner abondamment, mais tu ne peux pas recevoir. Si je veux recevoir beaucoup plus de Dieu, il faut que j'aime plus. Amen. Et qu'est-ce que ça signifie, aimer plus? Deuxièmement, qu'est-ce que aimer plus va faire? Aimer plus va donner à ton habit, à ton revêtement d'être pur, selon Apocalypse. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre. Voilà un chrétien qui a beaucoup de volume. Ça veut dire quelqu'un que Dieu a oint, que Dieu a choisi pour résoudre beaucoup de problèmes. Alors, il lui donne potentiellement un grand volume. Mais il y a du sable là-dedans. Qu'on appelle le moi. Quand la Bible dit d'approfondir ton amour, là, c'est creusé. Il faut enlever ce qui est là-dessus pour que l'eau rentre bien. Amen. Quand les choses ne sont pas faites ainsi, voilà ce que ça produit. Ton amour n'est pas très large. Ton amour est superficiel. Quand ton amour est superficiel, un amour superficiel, c'est un amour qui n'est pas profond. Quand Dieu te remplit, tu peux avoir très vite un revêtement. Mais il n'est pas propre. Il transporte le sable. Donc, on ne peut pas dire que ton habit, c'est du fin lin. Vous me suivez, non? Pur et éclatant. Ce qui fait que c'est impur, là. C'est le manque de profondeur de ton amour.
Amen. Vous me suivez calmement. Vous comprenez, vous comprenez. C'est ce qu'il explique en 1 Corinthiens 13. Il dit, quand je vais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, donc je fais de bonnes œuvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Dis au voisin, augmente ton amour. Donc il y a des chrétiens qui vont avoir un revêtement. Ils vont être puissants. Mais s'ils n'ont pas l'amour, ils prêchent, les gens sont touchés. Mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais là, c'est zéro. C'est rien. Tu crois que tu as l'habit de l'épouse. Tu n'as pas l'habit de l'épouse. L'habit de l'épouse, c'est éclatant. C'est du fin éclatant et pur. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Ce n'est pas parce que tu te tiens devant un peu, tu évangélises, que tu vas avoir le revêtement de l'épouse. Les fils aussi évangélisent. Les fils aussi aident les plus pauvres. Mais qu'est-ce qui qualifie? La différence est que les fils le font avec la foi. L'épouse le fait avec le fond de l'amour. Ça fait la différence. Amen. Amen. Et quand tu fais par la foi, c'est agréable à Dieu. C'est puissant. Mais quand tu fais par amour, c'est parfait. C'est ce que papa, c'est ce que le Christ cherche. C'est ça qui l'excite. C'est ça. Dieu est amoureux de l'amour. Quand Jésus voit quelqu'un qui aime, il est amoureux. C'est-à-dire, voilà. Quand il voit quelqu'un qui a la foi, il fait juste ce qui est agréable. C'est différent. Fais ce qui est agréable, c'est quoi? C'est comme ton enfant, il vient et t'offre un présent. Papa, maman, tiens, ça fait plaisir. Même si ça veut dire que tu as le marié. Est-ce qu'il y a un mari dans ça là? Te faire un cadeau qui te fait plaisir. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais on marie pas tout ce qui est agréable. Je te parle du mariage de Christ et de l'Église. Pas de faire des choses agréables à Dieu. Agréable à Dieu, c'est les fils. On tombe amoureux d'autres choses. Pas de ce qui est agréable. C'est pas parce que quelqu'un te fait un cadeau que tu as le marié. Ça, c'est la prostitution. Parce que le juif ne fait plus des choses agréables, tu vas le laisser. Avant, quand on était dans notre début du mariage, tu m'invitais, on partait, on faisait les deux. Maintenant là, ça fait 4 ans, tu m'as oublié, divorçons. Est-ce qu'elle aimait réellement le monsieur là? Non? Non? Elle avait comme la foi, elle s'est mariée avec la foi que ça ira bien demain. Ça c'est un couple d'avenir, c'est un mariage de la foi. C'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de foi. Vous me suivez, non? Elle dit, ce gars-là, je crois que notre couple ira bien. L'amour est différent. L'amour, quand tu te maries avec l'amour ne se décourage pas quand il découvre les défauts de l'autre. La foi, comme la foi rend agréable, la foi se relâche. Quand on voit que ce n'est pas agréable trop longtemps, la foi dit, Tu ne l'as pas aimé. Tu ne l'as pas aimé. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Ça veut dire, quand on dit croit tout, là, c'est pas croire n'importe quoi. C'est pas ce que ça signifie. L'amour croit. L'amour est puissant que la foi. L'amour croit que de ce qui est faible va sortir quelque chose de grand, de la relation qui ressemble à rien. L'amour croit. C'est ce qui fait que Dieu est sur nous. Parce qu'il croit. Des gars bizarres comme nous, il croit. Et puis il nous aime. C'est ce qu'on appelle aimer. Amen. Des gens comme nous là. Des gens bizarres. On est bizarres. Nous-mêmes, on ne se supporte pas. Est-ce qu'on se supporte? On ne se supporte pas. Nous-mêmes, on ne se supporte pas. Mais Dieu nous supporte. Dieu nous aime. Et puis, on n'est pas, c'est pas une seule personne qui est bizarre. On est 7 milliards sur la terre. 7 milliards de gars bizarres. Chacun un caractère bizarre. Des petits escrocs, des menteurs. On triche un peu. Les gars, on est bizarre. De temps en temps, on fait le bien. Un jour, on fait le mal. On est bizarre. Frère, on est bizarre. La preuve, c'est qu'on ne se supporte pas. Ou bien, tu restes 2 jours dans un groupe. Un moment donné, les gens t'énervent dans le groupe. Tu dis qui m'a envoyé ici?
pour différentes raisons. Hein. Soit ils vont t'énerver parce qu'ils sont incompétents, ils vont t'énerver, ou bien tu n'aimes pas leur caractère, tu vas les trouver hautain, tu vas les trouver trop timides, tu vas les trouver trop. On trouve les gens, on trouve quelque chose. On a toujours quelque chose à redire les uns des autres. Nous-mêmes là, on ne se supporte pas. Mais tous ces défauts cumulés, Dieu nous regarde et puis il nous aime. Alors, ce qui amène un chrétien à quitter de la dimension de fils à la dimension de l'épouse, c'est le travail, le développement de la vertu amour. Là, Jésus tombe amoureux quand il voit quelqu'un qui aime comme lui. Et non, c'est pas vrai. Le monsieur est bizarre, tu continues de croire en lui encore. Waouh! Avec tout ce qu'il t'a fait, tu lui as pardonné. Comment tu fais ça? Ça, c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Il dit, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Je veux citer une aide semblable. Donc, Jésus est comment? Il est amour. La manière dont il pardonne, il voit que tu es dans le même élan. Waouh! Il est fan de ça. Mais, il trouve agréable quelqu'un qui déplace les montagnes par la foi. Fils, c'est puissant. Mais tu es le fiston quoi, fiston. Mais ça n'entraîne pas le mariage. Pour qu'il y ait mariage, il ne faut pas seulement la foi, il faut être semblable. Et qui est Dieu? Christ, il est amour. Comment je peux recevoir la plénitude de Christ? Ce mariage, on a lu le texte. Alléluia. C'est en aimant comme lui. Dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer. Et je vous ai dit la dernière fois, on a lu dans 1 Jean 4, la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain. Donc, l'amour de Dieu, là, je vous l'ai dit, ce n'est pas à vous concentrer. Aimer Dieu, ce n'est pas se concentrer sur tes larmes quand tu pries. Et là, l'art avec lequel tu te couches dans sa présence. Oh, oh je t'adore. Oh, 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 pray. Et puis, il y a la larme qui arrive. On dit, oh, comment il aime Dieu. Oh là là. Et puis, Jésus, ta présence. Oh là là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit. Oh mon Dieu, ta présence me fait du bien. Quand ton esprit. Alléluia. Dieu aime ça. Dieu est content. Il dit merci. J'aime ça. Maintenant, ce qu'il attend, aimer Dieu là. Il dit, c'est aimer ton prochain. C'est-à-dire, c'est pas les larmes. C'est pas les larmes. C'est pas la manière dont tu t'es plié. C'est la façon dont tu traites et tu réagis avec les gens. C'est juste ça. Juste ça. C'est pas autre chose. Faut pas autre chose. Comment tu réagis avec tes prochains? Les gens qui sont dans ton entourage. Celle-là, si c'est à cause de lui, tu fais des choses, tu pardonnes. Amen. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi aimer les gens? Alléluia. Alléluia. On a dit la dernière fois. Donc quand je dis la troisième clé, augmente de plus en plus ton amour. Augmente de plus en plus ton amour. C'est se focaliser sur notre prochain. Bon, bien sûr, on est focalisé sur Dieu. On aspire à Dieu. Ça, c'est la première clé. Amen. Ça, prier, sentir la présence de Dieu, c'est extraordinaire, c'est super. Mais ce qui élargit ton amour,
Ce qui permet à Jésus de venir plus dans ta vie, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis des autres. C'est le développement de cette attitude-là qu'il reçoit, dont il tombe amoureux. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Parce que à cause de mon Dieu, j'aime ce qu'il aime. Je pardonne ce qu'il pardonne. Amen. Le gars que tu trouves bizarre, Dieu n'aime pas ce qu'il fait, mais Dieu est fan de lui. Amen. D'apprendre à aimer va apprendre à faire la différence entre l'être humain et les œuvres de l'être humain. Est-ce qu'on est ensemble? Et les textes qu'on a lus, il ne faut pas les oublier. Philippiens 1:9, il dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs. Amen. C'est ce dont je parlais tantôt. Quand l'amour augmente, on devient pur. On porte l'habit éclatant. Il dit: afin que vous deveniez purs, irréprochables pour le jour du Christ. Donc, si j'augmente mon amour, je deviens pur. Plus j'augmente mon amour, je deviens irréprochable. Amen. Pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'augmenter son amour? Pour l'augmenter, il faut lire Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis avec moi enraciné, et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, dis avec moi la largeur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Voici les quatre dimensions de l'amour: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ, en fait, ça vous amène à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, plus je m'élargis, plus je m'allonge, j'allonge mon amour, plus je l'élève en hauteur. Amen. Donc, largeur, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est tout ce qu'on appelle le volume spirituel. Amen. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Quand ces éléments-là sont là et que plus je travaille, plus je permets à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu veut faire, il arrive à faire. Il dit: je permets à toute la plénitude de Dieu, amen, d'habiter en moi. D'habiter en moi. Donc, pour qu'un chrétien voit Jésus le remplir totalement, la chose qu'il a à faire, et c'est la seule chose que Dieu te demande de faire, s'il y a un sacrifice à faire, c'est payer le prix de l'amour. Alléluia. C'est payer le prix de l'amour. Comme la Bible dit dans le livre d'Ecclésias, dans le livre, pardon, de Proverbe 27, verset, Proverbe 27, il dit: comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Alléluia. L'homme s'aiguise au contact. Proverbe 27, verset 17. Dis avec moi: comme le fer aiguise le fer. Non, non. Bon, ça, c'est la version Louis II. Ne prenez pas Louis II. Prenez la version Semeur, je crois. Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Voilà. Cette traduction-là, ça veut dire que ce n'est pas celle qui est là-bas. Ce n'est pas celle qui correspond le mieux. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, comment j'augmente mon amour? Je l'augmente, ça veut dire que je m'aiguise. Je deviens meilleur au contact de mon prochain. Donc, c'est le contact avec les gens. Les gens que Dieu vous fait rencontrer qui vous donnent l'opportunité de devenir meilleur en amour. Amen. Si dans la vie, tu rencontres beaucoup de gens bizarres, c'est pour devenir meilleur. Alléluia. Dieu va permettre cela pour t'aiguiser. Et l'aiguisement est une chose qui ne fait pas plaisir. Voilà. Quand tu prends la lime pour frotter sur la machette n'est pas contente. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre de sa matière. C'est quelque chose qui fait mal. L'amour vous donne l'impression de perdre quelque chose. Mais je vous assure que vous êtes en train de perdre le superflu et vous allez devenir tranchant après. Vous allez devenir efficace. Amen. Augmenter son amour semble ressembler à une souffrance. C'est ce qu'on appelle dans la parole, ce qu'on appelle le renoncement du moi. Mourir en soi. Si vous ne mourrez pas, si vous ne renoncez pas à vous-même,
vous ne pouvez pas manifester l'amour. L'ennemi de l'amour, c'est le moi. Et moi dans cette affaire, qu'est-ce que je gagne? Et moi, tu as vu ce qui m'a fait? Je ne peux pas laisser tomber. Voilà, donc l'ennemi de l'augmentation de l'amour, c'est le moi. À tous les niveaux. C'est, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Amen. Quand le fer va être aiguisé par le fer, il y a une forme de perte, il y a une forme de mort. Quand il est sorti de l'usine, la machette est sortie de l'usine, elle n'était pas tranchante. Le bout de la lame était plat. Et on va le faire rencontrer un autre fer. Quand tu adores, tu aimes la présence de Dieu, Dieu te donne la forme que tu dois avoir. Mais pour t'aiguiser, pour que tu puisses couper, pour que tu sois efficace, Dieu ne fait pas ça. Ce sont les hommes qui le font. Vous me suivez? Pour t'élargir, ce n'est pas Dieu. Donc tu ne peux pas couper. Je ne parle plus à quelqu'un. Moi-même dans l'église, tout le monde, je dis, frère, il y a une seule personne que j'aime sur la terre. C'est-à-dire, c'est Dieu. Moi, je me retire de tout. Je me retire de tout. Et je vais rester là. Ta présence me fait du bien. Tu finis l'église, tu salues à peine les gens. Oui. Parce que si tu restes en contact avec ton prochain, il va dire un truc qui va te blesser. Donc comme tu n'as pas envie de lui en vouloir, et tu n'as pas envie de gêner quelqu'un aussi, tu fais ton culte, tu prends ta Bible, frère, tu rentres à la maison. C'est que tu fais ça, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi tu rentres à la maison? Pourquoi tu le salues pour partir? Pourquoi? Non, moi tout ce qui me convient, c'est la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur. On dit, le fait aiguise le fait. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Il faut qu'il y ait contact et pas isolation. Tu es isolé. Je ne parle plus à mon mari. Il est dans son coin, c'est dans mon coin. Non, l'amour ne peut pas augmenter. Pour que ton mari et toi, vous vous améliorez, il faut que vous parliez. Vous devez être en contact. Contact là, c'est parler avec la personne. C'est discuter avec la personne. C'est rester là. Vous vous blessez, vous vous blessez, vous vous blessez, vous vous blessez. De la blessure va sortir le tranchant. Amen. Mais quand le fer aiguise, vient aiguiser le fer. Frère, la lime vient, la lime fait. Ce que tu fais là, ça me fait mal. Je vais te dire trois mots. On dit pas trois mots, reste calme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, je t'aime dans le Seigneur. Merci pour les blessures. Et plus quelqu'un est proche, plus il blesse. Parce que les gens lointains, comment un gars qui est loin peut te blesser? Il ne peut pas t'aiguiser, il ne peut pas te limer. C'est celui qui blesse, c'est le proche. Donc le premier aiguiseur, c'est le mari, bien la femme. Le premier aiguiseur. Deuxième aiguiseur, tes enfants. Troisième aiguiseur, tes collègues de travail. Quatrième, les frères de l'église. Les aiguiseurs. Le conjoint, c'est le premier, le mari, là, la femme. Là. La personne qui te lime d'abord. Et dans tous les sens, limé. Hein? Il y a aiguisé, limé, et puis il y a limé. Le premier limeur. Quand tu es marié, ton premier limeur, c'est ton mari. Le mari lime la femme, les deux se liment. Et
Et il se guise. Quand on sort de là, il dit, c'est bon, je me sépare. Parce que, alors, pourquoi on s'est marié? On dit, non, restez. L'histoire commence. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Donnez un bon amen. Alléluia. Amen. Regarde un voisin. C'est pas ton mari, hein? Non, c'est facile. Je vous dis, c'est facile, hein? En fait, il faut le vouloir. C'est tout. Sinon, c'est quelque chose de très facile. Mais la majorité des gens, c'est qu'on refuse, en fait. Voilà, on estime que on a tout avec Jésus. Si toi, tu ne peux pas m'arranger, toi, il ne faut pas me déranger. Si tu ne m'arranges pas, il faut me déranger. Donc, dès que quelqu'un commence à te déranger, mon frère, prends ta route. Moi, je sais où je m'en vais. Je fais mes affaires. Si toi, tu peux pas... Et c'est cette attitude-là, en fait, qui fait que tu ne t'élargis pas en amour. Tu vois, pour t'élargir, pour devenir meilleur, il faut accepter. Mais ce n'est pas une acceptation. Ce n'est pas une résignation à la souffrance. C'est quelqu'un qui croit et qui sait que derrière cette douleur se trouve le vrai bonheur. En fait, c'est une douleur qui précède la vraie paix. Parce que, en fait, d'où vient ta souffrance? D'où viennent les passions? C'est à cause des querelles intérieures. C'est à cause du moi. Quand tu l'as écrasé, on ne peut plus te faire mal. Ce qui fait que tu fuis ta femme, tu vas le retrouver ailleurs. Ce qui fait que tu vas le retrouver ailleurs. Et c'est cet élément-là. Tu crois que tu te sauves, mais en fait, tu t'affaiblis et tu n'as même pas résolu le problème, tu n'as fait que le déplacer. Tu n'as rien traité. Ce que Dieu te demande, c'est pour ton propre bien. Parce que lorsqu'il a fini de traiter avec ça, tu rentres dans une paix. C'est comme si les gens n'arrivent plus à te vexer. Et puis, la Bible dit, celui qui a souffert dans la chair, il a fini avec le péché. On ne peut plus te faire mal. En fait, c'est un peu le principe du vaccin. On te donne la maladie pour que tu ne sois plus jamais malade. Que j'expliquais avec les ébamins. C'est-à-dire, Dieu te fait rencontrer un choc, mais il se veut que tu restes là à un moment donné. Puis, quand tu persistes à un moment donné, c'est comme si tout varie. Et puis, tu rentres dans une liberté totale. Et c'est là la vraie liberté. En dehors de cela, tu n'es pas libre. Tu es obligé de sélectionner les endroits où tu vas. En tout cas, tu es coincé, quoi. Tu es coincé. Et ton potentiel ne se dégage pas. Donc, c'est la mort qui précède la grande vie et la belle vie. Donc, Dieu ne te demande pas de souffrir pour rien, quoi. C'est pour ton bonheur même. Aimer te rend libre. Aimer te rend grand. Aimer te rend meilleur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La prochaine fois, on va vraiment, je vais développer encore. Notez simplement la largeur de l'amour. Je vous l'ai dit la dernière fois. Il dit que votre amour augmente maintenant en largeur. Aimer plus large. Il dit afin de connaître la largeur. Aimer plus large. Il y a des points à faire, mais aimer plus large, c'est celui qui n'aime pas large. La largeur, c'est comme embrasser plusieurs personnes dans son amour. Quelqu'un qui aime plus large, c'est quelqu'un d'abord qui n'est pas égoïste. Celui qui aime petit, qui n'aime pas large, il s'aime lui son amour. Ça s'arrête à sa personne. Après, il élargit, il met là-dedans sa femme. Et il ne pense pas aux autres. Il n'a pas un amour qui est large. La largeur de l'amour, la Bible dit, quand Dieu va te donner beaucoup de biens, il faut que tu aimes plus de personnes que ceux qui rentrent directement dans tes intérêts immédiats. Quelqu'un est avec moi? Avoir un amour plus large, par exemple, il y a des gens qui ont des amours qui s'arrêtent juste. Tout leur déploiement, c'est pour les gens qui sont dans leur entourage immédiat. Ils ne pensent pas, ils n'ont jamais prié même pour leur voisin. Oui, l'amour n'atteint pas le voisin. Augmenter son amour, c'est commencer à dire, mais celui qui est à côté de moi, est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a la paix dans sa maison? Je vais prier aussi pour lui. Je vais penser à lui. C'est ça. Donc, tu ne limites plus ton amour, tu élargis ton amour parce que la vertu de l'amour, tu commences à la manifester pour quelqu'un qui ne répond pas directement à tes besoins. C'est pourquoi la Bible dit, connaître la largeur de l'amour de Christ. Et après, tu l'élargis encore un peu. Tu regardes la télé, tu vois d'autres peuples, d'autres gens. Comme ce qui nous a amené à aller jusqu'en Centrafrique. On dit, mais nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on a nos problèmes ici.
Mais ça s'appelle la largeur de l'amour. Les gens que tu vois là, Jésus aussi les aime. Le voisin pour qui tu ne pries pas, tu ne sais même pas même ce qu'il fait, puis Dieu l'aime, Dieu pense à lui. Quand il est dans sa maison, Dieu pense à lui. Jésus tombe amoureux des gens qui commencent à s'inquiéter, qui commencent à se soucier ou à prier pour des personnes qui n'ont rien à voir avec leur bonheur, qui n'ont rien à voir avec ton bonheur immédiat. Cette manière d'aller penser à ces gens-là, c'est quelque chose qui touche Dieu. Il dit, afin de connaître la largeur de l'amour de Christ, il faut élargir ton amour. Avoir un amour plus large. Est-ce que tu connais ton voisin qui est à côté? Est-ce que la largeur est atteinte? Bon, ouvrez les bras comme ça, élargissez. Maintenant, cognez-vous. Tu vois, juste à côté de toi, ton voisin, c'est une vie, c'est une personne qui intéresse Dieu, son quotidien intéresse Dieu, ses erreurs intéressent Dieu, Dieu l'aime. Tu n'es pas la seule personne que Dieu aime. Jésus aussi a donné sa vie pour cette personne. Élargir l'amour, c'est penser à des personnes, c'est quitter d'abord sa propre personne. Je n'ai pas réfléchi, moi il faut que je m'habille, moi il faut que j'aime, moi il faut que j'avance, moi dans la vie je vais réussir, moi je vais. Celui qui a l'amour plus large, il se dit, lui aussi, l'autre aussi doit réussir, je vais l'aider à réussir, je vais l'aider à monter. Amen. Celui qui a l'amour plus large, quand il travaille dans la société, il ne fait pas en sorte que lui il ait la promotion. Celui qui a l'amour plus large, il veut que tout le monde monte avec lui. L'amour plus large suscite des vrais leaders. L'amour plus large suscite des vrais leaders. L'amour plus large amène les gens à faire monter. Celui qui a un amour qui est restreint, il cherche à monter. Il voit des gens comme étant des tremplins vers lui-même sa promotion. Et il y en a tous dans l'œuvre de Dieu, dans le corps de Christ. Donc, pour les brebis, là, ce sont des moyens de dire, des escaliers vers leur gloire. L'homme de Dieu. Il a 10 000 fidèles et il est content. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont pu réellement manger, vivre? Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Où ils sont? Comment ils vivent? Dans quelle maison? Quelle est leur situation? Il n'est pas intéressé. Ah, moi, je vais avoir ma voiture. Mais quand tu vois les gens qui n'ont pas de voiture, qui sont dans la rue, là, qu'est-ce que tu as une pensée pour eux? Toi, le plus important, c'est d'avoir toi ta maison. Ah, je suis propriétaire. J'ai ma maison. Comment tu as fait pour arriver à ça? Est-ce que tu peux amener ton voisin aussi à monter à ce niveau-là? Un amour plus large, c'est quelqu'un qui monte et qui fait monter des personnes. Quelqu'un qui n'a pas l'amour large, il est très gêné quand les autres commencent à monter. Il veut dire quoi? Qu'il est comme moi aussi, quoi. Donc le gars, il sort une voiture, il voit le voisin sortir la voiture, il dit ça, il est gay, ça c'est de la convoitise. Il voit, il est en compétition avec moi. D'accord, il va voir le mois prochain, j'ai passé un niveau, voir s'il va me suivre. Ton amour n'est pas large. Quelqu'un qui a un amour large travaille en termes de modèle. Quelqu'un qui a un amour large ne sait pas simplement à exécuter des tâches. Quelqu'un qui a un amour large sait à faire monter beaucoup de gens. Amen. Il y a des gens, la Bible dit, tu peux donner toute ta nourriture pour les pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Vous savez, il y a des gens qui donnent la nourriture pour les pauvres pour qu'on parle bien d'eux. Pour battre campagne électorale. Pour qu'on les élise. Ils n'aiment pas les gens. Beaucoup de philanthropies qu'on reçoit du monde. Mais en fait, pour ces personnes-là, pour beaucoup de personnes, quand ils font, ils ont des images où on les voit avec les pauvres, ça fait qu'ils ont plus de donateurs. Donc, ceux-là, ils ont besoin que l'Afrique reste pauvre pour justifier des dons. Vous voyez les organismes internationaux, là. Ma femme me posait la question, mais depuis là, ils viennent, ils vont dans les villages, ils vont en construire, puis ils ont aidé. Il y a combien de personnes qui s'en sont sorties en Afrique et puis qui disent, c'est à cause de telle ONG? Qui dit moi aider, ça dit que tu vois quelquefois tu as l'impression que bon c'est pas tout le monde hein, mais même souvent dans l'église ça dit on fait des choses mais dans le fond c'est plus pour être apprécié et puis pour un sentiment de pitié pour dire moi j'ai pitié des gens, mais le jour où la personne que tu as aidé tu vas la voir commencer à sortir à porter un truc, tu veux dire lui il veut se faire voir. Est-ce qu'il sait aimer des gens, avoir un amour large, c'est vraiment voir les gens devenir bien. C'est vraiment le souhaiter profondément. Ah, c'est la largeur. La profondeur, c'est ne pas être superficiel. C'est la profondeur qui est la partie la plus compliquée. C'est là où on gratte le sol. C'est la profondeur qui tue le moi. La largeur brise l'égoïsme. La profondeur tue ton moi. La profondeur,
c'est que quand tu t'approches des gens, il y a toujours quelque chose d'apparent qui peut t'attirer. Mais quand tu vas en profondeur, tu vas découvrir leur faux. L'amour, un amour qui est profond, c'est un amour qui ne se limite pas à voir ton apparence. Découvrir tes vraies faiblesses ne le change pas. Il va continuer de t'aimer. Et il va continuer de vouloir t'aider. Un amour profond, c'est un amour qui n'est pas superficiel. Il y a des gens, ils aiment quand tout va bien. Quand ils sont là, tu vois, frère, je vais rendre visite. Dès qu'on les a vexés une fois, ils se retirent. L'amour n'est pas profond. Un amour qui est profond, on ne le déracine pas facilement. C'est pourquoi la Bible dit enraciné. Donc, il prend des coups, il découvre la méchanceté des autres, mais il se rétracte pas. Donc, quand tu vas découvrir des gens que tu n'arrives plus à supporter, demain, fais un effort. Augmente ton amour, c'est-à-dire, essaie de dire, celui-là, je ne le supportais pas, je vais faire un pas de plus. C'est ça, tu es en train de descendre ta racine. Tu es en train d'être plus profond. Tu es moins superficiel. Parce que les gens ne sont pas ce qu'ils font paraître. Donc, tu peux pas être choqué. Tu dis, le gars, là, il rit à moi, mais c'est un faux. Il ment. Quitte ma vie. Le vrai amour, quand il découvre que tu es menteur, il te rejette. Il peut ne pas te parler pendant un temps. Il peut te punir. Mais ce n'est pas la punition en fait. C'est juste, qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu arrêtes ce que tu fais? Et cela intervient un peu l'élément de la hauteur. Il va chercher Dieu. Il ne voit pas. En fait, quand tu l'as volé, il ne voit pas que tu as pris son cellulaire. Il est triste que tu sois voleur. Il n'est pas triste de la disparition de son objet. Vous voyez la différence? Il n'est pas horrifié de découvrir un voleur. Il est triste de ce que quelqu'un, que la vie d'une créature de Dieu soit tombée aussi basse jusqu'à rentrer dans la escroquerie et dans le vol. Il ne regarde pas ce qu'il perd parce que lui, rien ne lui appartient. Donc si tu as volé même son cellulaire, ce n'est pas grave, Dieu va lui donner encore. Tu comprends? Il peut te sanctionner pour le vol, mais dans l'espoir que tu deviennes meilleur, que la correction peut te changer. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui a été agressé par un jeune. Il lui a pris sa sacoche et qui fuyait. Et le vieux, quand il s'est relevé, il a appelé, il dit, mais jeune homme, j'étais seul dans un couloir. Le jeune homme revient. Et puis il dit, j'ai encore un peu d'argent. Attends. Voilà, il dit, ce que tu as pris là, tout l'argent n'est pas dedans. Il y a l'argent encore. Et puis le jeune est choqué. Ils étaient seuls. Le jeune aurait pu l'agresser, le tuer, tout ça. Je lui dis, mais pourquoi on fait ça? Il dit, ah, je suppose que si tu voles, c'est parce que tu as un besoin. Donc, je veux mieux t'aider à assouvir le besoin. Là. Tiens un peu d'argent encore. Tu n'as pas tout pris. Il n'a pas regardé comment on l'a bousculé. Il n'a pas regardé comment on l'a taclé. Il a regardé comment un enfant a pu devenir comme ça. C'est comme ça que Dieu aime les gens. Dieu n'attend rien de nous. Il nous aime tel que nous sommes. Et il croit que ce qui le gêne, c'est comment est-ce qu'on a pu devenir débauché, prostitué, pendant qu'il nous a créé bien. Et donc Jésus découvre quelqu'un qui commence à aimer comme lui, il est amoureux de la personne. Mais s'il voit simplement la personne qui se fâche parce qu'on l'a volé, qui dit c'est fini dans la vie, toi tu es un mauvais, je ne te parle plus, ce n'est pas Jésus. Parce que si Jésus était comme ça, aucun de nous ne serait là. Aucun. Mais il regarde nos fautes et puis il dit, ah, comment je peux faire pour te changer? C'est ça son souci. Voilà. Alors, aimer comme Christ, c'est ça. Élargir son amour, approfondir son amour, c'est ça. C'est-à-dire, regarder, découvrir les faiblesses, ne pas s'éloigner de ces personnes. On peut même s'éloigner par but de correction. Et puis chercher la face de Dieu. Comment aider la personne? Que l'amour de Christ soit notre partage au nom de Jésus. Seigneur, rappelle-moi de ton amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Ça t'a fait du... La parole t'aide, ça te fait du bien, tu peux y arriver, ne cherche pas à être super héros, on dit augmente de plus en plus, fais un petit pas, commence par quelque chose, amen. Si tu ne pardonnais pas après 5 injures, demain là, il faut faire 6, tu vois non? Voilà, il y en a, quand quelqu'un t'a blessé une fois tu pardonnes, deux fois tu pardonnes, trois fois tu dis trop c'est trop. Augmenter de plus en plus son amour, c'est de dire bon Seigneur j'ai compris, la semaine prochaine. Avant, je pardonnais deux fois. La troisième fois, j'ai essayé. Maintenant, je vais pardonner quatre fois. La cinquième fois, je vais agir. Je peux agir la cinquième fois. Je dis, commence comme ça. Ce n'est pas grave. Donc, quand tu vas te battre jusqu'à quatre pardons, il va dire, mais si tu faisais cinq en même temps. Tu dis, je peux y arriver.
Après, tu fais 5. Tu dis, après ça, papa, je ne peux plus. Ça me fait trop mal. Il dit, ça me fait trop mal. Dieu dit, oui, je sais que ça te fait mal. Mais il faut faire 6 quand même une fois. Pardon, il faut faire 6. Augmenter de plus en plus, ce n'est pas se jouer, ce n'est pas être le parfait en amour. Il dit que votre amour augmente de plus en plus. C'est juste essayer de faire un pas de plus en largeur. N'essaie pas d'aimer toute la terre. Commence juste par ton voisin qui est là. Et puis commence à prier pour lui. C'est suffisant. Quand tu vois que tu maîtrises le voisin, c'est facile pour toi. Essaie d'aller un peu plus loin. Donc n'essaie pas d'avoir. Ne dis pas, non, moi je vais aimer toute la terre. On commence pas comme ça. On commence par le prochain. Donc fais un pas de plus. Augmente un tout petit peu. Et puis sois un peu plus profond. Supporte un tout petit peu plus. Et tu vas voir que ça va aller au fur et à mesure. Jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur, sa grâce soit avec toi. Que son esprit t'aide au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour la parole, qui est la parole d'amour. Que Dieu nous apprenne à aimer, à faire un pas de plus. Donc chacun d'entre nous a un degré d'amour. Nous allons seulement juste essayer de l'augmenter un tout petit peu plus. Amen. Et nous allons semer dans cette parole pour dire, Seigneur, aide-moi dans cette dynamique. Aide-moi dans cette parole. Aide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.